Bon, on va être sur une moto agile. Alors, il y a du vent. Salut tout le monde! Nouvelle vidéo, nouveau contenu, nouvelle moto, un petit trail. Voilà, c'est la 390 Adventure de chez KTM. Enfin, alors je vais vous dire pourquoi enfin, parce que c'est une moto qui est sortie il y a plus d'un an, hein, il y a vraiment plus d'un an, et je devais la faire depuis longtemps, et j'ai pas pu la faire. Pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'elle n'était pas disponible. Donc c'est avec une grande joie, dans ce vent terrible aujourd'hui, que je vous propose l'essai, déjà des retours à deux, hein, parce que ça c'est une version à deux, elle n'est pas bridée, elle est en full, elle a le moteur de la 390 revisité par KTM en version trail, s'il vous plaît, petit trail de 390 cm3, c'est un petit mono, alors ça vibre, c'est normal, le mono ça vibre énormément. Alors, comme je vous l'ai dit sur la précédente vidéo, maintenant je vais m'orienter sur les essais, surtout dans le ressenti. De toute façon, je vous mets tout le temps dans les vidéos les liens des concessions. Donc si vous avez besoin de renseignements techniques, je me suis dit ça sert à rien que je présente toutes ces motos avec le côté technique, tu vois, pour se la faire un peu journaliste. Non, moi, comme je dis tout le temps, je suis un motard comme vous et j'essaye des motos. La différence avec vous, c'est que moi, je les filme pour vous les montrer, pour vous donner envie d'aller essayer les modèles. La boîte, elle passe bien. Les freinages, c'est une fourche inversée WP dessus. Je m'arrêterai pour vous la montrer. Alors là, t'as une maniabilité. Bon, je vous donnerai quand même le poids. Je vous donnerai la consistance réservoir, l'autonomie. Bon, tu peux apercevoir un saut de vent. Après, il n'est pas très haut, ce saut de vent. Mais tu dois pouvoir en mettre un plus haut. Ah, mais c'est quand même amusant, ces petites 390, là, que ce soit l'Adventure ou la version Roadster. Là, par contre, tu es drôlement plus haut, hein, que sur la version Roadster que propose KTM. Alors, déjà, avant tout, je remercie quand même toute l'équipe de KTM Grand Lyon, parce que je n'ai pas pris rendez-vous lors de cet essai. Habituellement, c'est ce que je fais. Et là, c'est un essai qui s'est décidé comme ça, parce que ça faisait très très longtemps, ça faisait pratiquement une année que j'attendais un modèle d'essai chez KTM. Il faut savoir que c'est une moto qui vend bien, cette KTM Adventure 390. Et donc du coup, eh bien, à chaque fois que je devais faire un essai avec cette moto, elle était vendue. Alors c'est pour ça que je ne vous l'ai pas fait. Donc on va vite s'arrêter. Je vais vous la filmer, mais franchement, vous la connaissez. Mais c'est quand même bien de faire voir sur quoi on roule, faire voir à quoi elle ressemble, cette moto. Donc il y a très très longtemps qu'on n'est pas venu au fort. Donc je vais vous la filmer là, vite fait, au fort. Et puis après, on va aller rouler un peu pour goûter au ressenti de cette moto. Voilà, alors la hauteur de celle, elle me paraît bien haute quand même, parce que là, je suis sur la pointe des pieds. Alors, si je me ravance vers le réservoir, je gagne quelques centimètres. Moi qui fais 1m75, j'ai pas les pieds à plat sur cette moto. Il faut savoir que
Les petites tailles, il faudra y penser. Alors peut-être qu'il y a des kits de rabaissement, peut-être qu'on peut faire recreuser la selle, mais cette aventure, elle est quand même un peu plus haute, c'est un trail. Voilà, c'est un petit trail mono de 390 cm3. Bah, il doit être un petit peu moins là. Il y a un joli TFT dessus, tu vois, je peux voir un joli TFT. On va écouter tout de suite le son, comme j'ai l'habitude de faire. Voilà. Ah. Oh, le pot il est petit hein. Tu vois? Au niveau du son, bon allez, on va la couper, on va pas déranger. Donc tu as un joli TFT, on va pas revenir sur le TFT, vous le connaissez. Vous connaissez voilà la 390 Adventure enfin. Et là, elle va aller rejoindre la collection des modèles A2. Parce que cette moto, tu peux l'avoir en A2. Elle est full LED. Voilà à quoi elle ressemble, cette petite KTM 390 Adventure. Donc c'est une moto, tu vois, qui peut vraiment tout faire. Hein. Tu peux aller travailler avec, tu peux aller en balade, tu peux faire du duo, tu peux l'équiper de valises. Ils ont plein d'équipements à proposer hein, dans la boutique KTM, que tu peux aller voir dans le lien de la vidéo que je mets en dessous de la description. Alors tu as une fourche inversée WP, tu as un monodisque, bon ça suffit amplement, et un sabot, ils ont pensé à mettre un sabot moteur pour la protection bien sûr du bas moteur. Voilà, moi je voulais vraiment vous montrer ce modèle de 390 Adventure, et au moins voilà, j'aurais fait la plus petite des trails de chez KTM dans la série Adventure. I'm staring at my shadow. Am I gonna be safe in getting through tomorrow? When I throw me down, you can lead me to the side. You're still raising me up, but when I look aside, she guides me with a sign and light of me. It ain't over. Elle est en full LED au niveau de la selle. Alors, le confort de selle, ben, regarde, hein, tu vois, c'est pas dur. T'es bien calé là, par contre, quand tu te mets, tu te pousses en arrière, parce que faut quand même savoir sur les versions trail, c'est mieux d'avoir le cul quand même posé, tu vois, vraiment à cet endroit. Et là, t'es vraiment bien calé. Alors, ils ont mis des bons repose-pieds aussi, où tu sens moins de vibrations, elles sont caoutchoutées, donc c'est pas mal. Voilà. Donc allez, on va repartir. Alors il y a un saut de vent qui n'est pas réglable apparemment. Hein, je découvre. Bon, bah, c'est un mono, hein, mais pour un jeune A2 qui veut goûter aux joies du trail. Ah, la fourche, elle est réglable. WP, je vois devant, elle est réglable. Bon, ça, c'est pas mal. Ah mais il y a un shifter, voilà, c'est ce qui me semblait. Ah, il passe même plutôt bien, hein. Il est assez bien fait le shifter de chez KTM. Ah voilà, t'es tranquille, t'as ta petite. Alors c'est. Voilà, pourquoi je vous montre une 390 Adventure? Eh ben, parce que c'est vraiment un modèle qui n'est pas contraignant, qui est plutôt agile, léger. Tu peux l'équiper quand même en grosse baroudeuse. Voilà, salut les poteaux. Ah bah ça roule, hein, il fait beau. Ouais, il y a un shifter quand même. Hein. Ah, ça c'est bien, il y a un shifter, on va pouvoir goûter un peu aux performances de ce moteur en version Adventure. Mais je connais le modèle 390 déjà, qui était plutôt pétillant comme moteur. Hein, et assez explosif. Alors bien sûr, on est en chevaux, je pense qu'on est aux alentours d'une quarantaine de chevaux, hein, je ne sais plus exactement. Bon alors c'est bien d'avoir un shifter sur un petit modèle comme ça. Bon alors il faut que j'accélère un peu parce que. Wow! Et ouais, elle est marrante, hein. Bon il y a du vent, elle a des bonnes axelles. Bon, les freinages, ça va, ils restent vraiment corrects. C'est une filiale de Brembo. Ah, allez,
On va essayer de le passer avec sa voiture, lui. Ah, t'as vu avec le shifter? Ah, ça on voit bien, hein. Ah. T'as même pas besoin d'embrayer, c'est quand même assez facile. Alors, je suis pas là pour vous montrer une performance, hein. Je suis juste là pour vous faire voir le modèle. Elle est plutôt efficace en virage. Hop là, elle a la bonne patate quand même. C'est, voilà, c'est ça. Ce que j'aime bien chez KTM, c'est que leurs motos sont amusantes. En fait, tu t'embêtes pas dessus. Elle te donne le smiley, hein, comme on dit. Bon, le vent, il est terrible. On va voir, je pense que je vais m'en prendre plein la poire. J'espère qu'au niveau du son, on n'est pas trop gêné par le vent et que vous entendez bien ce que je vous dis. Oh, le vent est terrible, il te pousse. Voilà, avec le vent, je suis hyper gêné parce que comme elle est toute légère, c'est un poids plume, hein, cette aventure 390. Oh, je savais que j'hésitais à aller faire un essai aujourd'hui parce que le vent il est terrible. On va se caler derrière les voitures, ça nous coupe un peu du vent. Vraiment pas agréable de faire de la moto avec un vent pareil. Après c'est un mono, alors elle aura tendance à vite s'essouffler quand même. Et puis que le mono, c'est pas réellement fait pour ça. C'est le genre de moto pour faire du chemin, tu vas te régaler parce que tu ne seras pas emporté par son poids si tu as besoin de te rattraper dans des routes sinueuses. Et elle a une bonne reprise en sixième, regarde, je suis en sixième. Ouais, elle est efficace, hein. Ouais, à part les vibrations que tu as sur tous les monos, hein, qui sont pas dérangeants, les grands de 1,80 seront à l'aise, ils auront les pieds à plat dessus. Ah, alors ah oui, voilà. Alors donc, bon, on est d'accord que vraiment dans le tout bas régime, c'est... ça aime pas trop, hein, quand même, ça reste un mono. Donc je vous mets le prix aussi. C'est cher. De cette 390 Adventure. Trop cher. Bon, elle est... ben, je savais que j'allais m'attendre à une bonne maniabilité parce que déjà, le Roadster a été super maniable avec un moteur un peu explosif. Oui, j'ai l'impression qu'au niveau performance, ça part moins fort que la 390, mais par contre... on a l'impression que KTM, ils ont voulu mettre plus de couple et moins de performance. Donc du coup, ça répond super bien. Accélérateur électronique, bien sûr, chez KTM, dessus. Et ben voilà, nouvel essai sur la chaîne. Le retour des modèles à deux, et oui, parce qu'on a fait les versions full, il fallait aussi que je revienne un peu sur les modèles à deux. Et bien voilà, la 390 Adventure que KTM te propose. Allez hop, un coup de shifter et tu repars là, t'as vu? Si, ça sert hein, quand même de monter et descente. Ah, ça tient bien, je pense que c'est du Michelin qu'ils ont mis dessus. J'ai pas eu le temps de regarder. De toute façon, si vous avez des doutes, si vous avez besoin d'informations, les poteaux, il suffit tout simplement de regarder sur le site internet de KTM Grand Lyon. Et là, vous avez toutes les fiches techniques de leur moto. Donc, si vous avez des doutes, ben, allez cliquer dans le lien de la vidéo que je mets dans la description. En dessous de la vidéo, il y a un lien que je mets chaque fois.
Vous cliquez dessus et ça vous emmène directement sur le site de la concession. Et là, vous aurez tous les modèles avec toutes les fiches techniques. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de modifier les essais, toujours de vous donner quelques infos, mais le but, c'est surtout de vous donner mon ressenti. Tu viens d'avoir ton permis, tu ne veux pas te retrouver sur un roadster ou sur une sportive. Tu veux pas une moto qui soit trop contraignante. Salut poteau. Eh bien, cette 390 Adventure, elle va te permettre à apprendre, parce que tu auras des choses à apprendre après le permis. Les A2, quand vous sortez du permis, ben, il va falloir que vous fassiez vos preuves aussi de votre côté. Hein, donc, vous allez vous faire vous-même votre expérience. Et ce modèle de cette 390 Adventure, eh bien, elle est la bienvenue aussi pour certains d'entre vous qui la choisiront. Elle est plutôt sympa, hein, cette petite Adventure 390. Vraiment, c'est la plus petite. Hein. Ils n'ont pas fait encore 225 Adventures. Peut-être un jour, je ne sais pas. Tiens, il faudra que je leur pose la question. Voilà, bon, ben voilà, c'était un petit essai bien rapide, bien sympa. Ready to rise. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Pour ceux qui voulaient avoir un ressenti sur cette 390 Adventure, j'ai beaucoup aimé. Merci KTM Grand Lyon à Dardilly. On se retrouve dimanche prochain. Prenez soin de vous, restez équipés les poteaux. Allez, ciao 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 tout le monde. Merci pour tout. Hein. Ah ben. Allez, salut, merci. Ciao.